Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes donc l'association des visiteurs de prison. Oui. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste en quoi ? Ben, comme son nom l'indique, à visiter les prisons, à visiter les détenus dans les prisons. On peut être visiteur ou visiteuse. Il nous appartient d'aller soutenir psychologiquement sur ceux qui sont comme ça et en détention. Et éviter qu'ils se désocialisent en les incitant d'une part à participer à toutes les activités qui se font à l'intérieur de la prison. Il y a un service socio-éducatif qui est très, très important. Et puis il nous appartient aussi de leur rattacher la famille par l'extérieur et de maintenir une bonne relation avec eux. Alors il y a peut-être aussi une phase réinsertion après. Alors réinsertion, alors on peut essayer de préparer la réinsertion avec d'autres associations. Bien sûr, on parle beaucoup de réinsertion, mais il n'y a pas, grand-chose de ce côté-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas aidé ? Pas tellement, non. Pas tellement. Alors, quand je parle d'aide, je ne parle pas d'aide d'autres associations, parce qu'on sait très bien que les associations, éventuellement, s'entraident. Oui. Vous voulez peut-être parler d'aide des pouvoirs publics ? Oui, voilà. Oui, il n'y a pas grand-chose. Et puis, les détenus qui sortent de prison ne veulent absolument pas retourner dans des foyers et tout ça. C'est une difficulté. Alors on peut dire que vous êtes une association d'utilité publique. Oui, elle est reconnue d'utilité publique d'ailleurs. Oui. Vous pouvez peut-être nous laisser les coordonnées quand même sur Rouen. Alors d'une part, il faut nous écrire au 88 rue du Champ des Oiseaux, l'Association nationale des visiteurs de prison à Rouen. Nous sommes 40 visiteurs actuellement pour une population carcérale de 800 personnes, hommes, femmes et jeunes délinquants. C'est peu. Oui, oui, oui. Écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Merci. Voilà. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Alors nous sommes sur le stand SOS Enfants Martyrs. SOS Enfants Martyrs, c'est un sujet grave. Malheureusement, je crois que les gens qui sont témoins de ces vices sur des enfants ont plutôt tendance à se taire, à ne pas, je dirais, jouer les délateurs. Alors, quelle est votre action à ce niveau-là ? C'est-à-dire, comment vous agissez, vous ? Alors, notre but essentiel est de porter aide et assistance aux enfants qui sont maltraités ou qui subissent des sévices ou abus sexuels. Alors, une question, oui. Comment le savez-vous ? Est-ce que vous avez des gens qui viennent délibérément vous le dire ? Ou est-ce que c'est éventuellement ce qu'on appelle des lettres anonymes ou des coups de téléphone anonymes ? Comment que ça se passe ? Nous ne recevons pas de courrier. Les personnes, certaines personnes ont quand même le courage de témoigner en nous téléphonant, puisque nous tenons une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ces gens apportent le témoignage sur ce que subissent les enfants qui vivent ou dans leur famille ou dans leur entourage d'habitat ou à l'école ou ailleurs. Alors je voudrais quand même que vous nous expliquiez un petit peu les chiffres horrifiants que j'ai découvert ce matin. 50 000 enfants maltraités en France, 300 000 enfants sont dits en danger, 600 enfants en décèdent, et on s'aperçoit qu'au niveau médiatique, on n'a pas d'écho de tout ça. Non, pas vraiment. C'est alors vrai votre association, que... alors excusez-moi de vous couper, mais votre association, dans ce cadre-là, est-ce qu'elle a, je dirais, un pouvoir d'information ? Est-ce que vous êtes vraiment écouté par les médias ? Comment que ça se passe ? Pas trop par les médias, justement, parce que nous n'avons jusqu'à maintenant qu'un système d'affichage. Nous passons notre information sur Paris-Normandie, dans le service d'urgence. C'est vrai que nous souhaitons être correspondants d'Enfance et Partage, donc nous avons monté un dossier sur notre association. Et ce dossier doit passer en commission courant octobre et novembre. Alors je pense que cette association, nous pensons tous d'ailleurs que cette association nous apportera beaucoup parce qu'elle est très médiatisée en France, elle est connue même internationalement. Je vous remercie. Alors donc je pense que sur la Normandie et la région, elle pourra énormément nous aider.
Je crois savoir que vous avez des artistes qui vous aident notamment dans cette lourde tâche. Carole Bouquet qu'on a citée tout à l'heure. Oui, Carole Bouquet aide surtout Enfance et Partage, mais nous, étant peu connus, nous n'avons pas eu le plaisir jusqu'à aujourd'hui d'avoir reçu ce genre d'aide. Alors, on va vous demander quand même des coordonnées sur Rouen, parce que si jamais quelqu'un était témoin de sévices sur un enfant, je fais confiance à cette personne pour vous le communiquer. Oui, je souhaite qu'elle prenne son courage à deux mains, et puis, parce que je crois que l'enfant est ce qu'il y a de plus important, pour, ne serait-ce que pour notre avenir, et qu'il doit être heureux quelque part. Alors, notre association a pour téléphone le 35 63 08 80. Nous sommes à l'écoute de tous ceux qui souhaitent témoigner et défendre les enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors nous sommes actuellement sur le stand de l'OIP, c'est l'Observation Internationale des Prisons. L'Observatoire. Bien de faire la rectification. Alors vous allez nous présenter un petit peu votre association, comment que ça se passe sur le terrain, votre travail. Donc l'Observatoire International des Prisons a été créé en 90 à Lyon. Et donc le but de l'Observatoire International des Prisons, c'est de créer autour de chaque lieu de détention en France un groupe local d'observation pour éventuellement dénoncer tous les manquements à la dignité du détenu et tous les problèmes qui sont inhérents à l'incarcération. Alors, qu'est-ce qui a motivé chez vous le fait de vous occuper de ce genre de sujet plutôt que d'un autre? Tout simplement parce qu'on parle très peu de la prison en France. C'est un lieu que les gens ne connaissent pas, donc on ne parle pas. En prison, il se passe des choses quand même suffisamment graves et importantes pour qu'il y ait des gens justement qui soient là pour pouvoir alerter les magistrats, la presse, quand il y a des problèmes graves qui se déroulent à la détention. Alors, avant de nous quitter, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire trop long, je voudrais que vous nous citiez par exemple des cas qui se sont passés récemment. Par exemple, on a fait une intervention sur une intoxication alimentaire qui a eu lieu en juillet à Renivelle, où la viande avait été restée à l'extérieur pendant longtemps, la viande qui a été servie et donc détenue, il y a eu 110 détenus qui ont été malades, donc intoxiqués. Ah oui, mais c'est vrai. Alors, que c'est par exemple ce genre de problème. C'est des problèmes de parois, des problèmes de mise de mitard. Le mitard donc, qui est la prison dans la prison, les détenus ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas. Donc c'est tous ces problèmes que nous acquittons, que nous faisons la situation. D'accord. Alors, je vais vous demander de donner les coordonnées de votre association sur Rouen, afin qu'on puisse vous contacter. L'association, c'est 55 rue de Voisine, et le numéro de téléphone, c'est le 35 07 64 44. Eh bien, je vous remercie beaucoup de participer d'ailleurs à ce forum de Normandie. Merci, monsieur. Alors, madame Victoire Fellon, bonjour. Vous vous occupez donc de la Ligue... Enfin, de la lutte contre le cancer. Est-il encore besoin de lutter contre le cancer? Parce qu'on nous dit qu'on soigne de plus en plus de cancer, si le cancer est pris à temps, tout se passe bien. Alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Oui, tout à fait, absolument. Le fait de traiter les cancers depuis plusieurs années n'a pas résolu le problème parce que généralement, on découvre de nouveaux types de cancers. C'est-à-dire? Des cancers, du foie, tout ça, il y en avait déjà avant, mais on s'aperçoit que le fait de les traitements qu'il y a eu à ce moment-là, mais ça n'a pas abouti, quoi. Donc il y a des nouveaux types de cancers qui apparaissent. Alors, il y a de nouveaux types de cancers qui apparaissent, mais il y a aussi de nouveaux types de traitements qui apparaissent. Oui, tout à fait, absolument. Mais le problème, c'est l'hygiène de vie. Le fait que les gens boivent beaucoup plus d'alcool, qu'ils fument, tout ça fait que... En fin de compte, vous me dites presque que le cancer, c'est un phénomène de société, quoi. Oui, absolument, oui. Alors, vous, votre association, comment que ça se passe? Vous travaillez sur le terrain? Vous rendez visite aux malades? Comment que ça se passe? Oui, nous avons... disons qu'on a deux types d'actions. Une action avec des bénévoles
qui sont implantés dans tout le département et qui font des manifestations locales. Alors, type lâcher de ballon, exposition de peinture, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a, enfin, toutes sortes tout de manifestations. Toutes sortes de manifestations qui rapportent énormément d'argent à la Ligue. Il y a les opérations de marketing direct, hein, c'est-à-dire les appels de fonds par lettre chez les personnes du département. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est vrai que c'est un peu, je dirais, c'est un peu dur de la poser. Mais avec la nouvelle maladie que tout le monde connaît maintenant, qui est le sida, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine concurrence au niveau des fonds que vous pouvez récolter ? Oui, absolument. Il y a une lassitude de la part des gens qui sont trop sollicités. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on recherche de nouveaux moyens pour recueillir de l'argent. Alors voilà, donc nous sommes sur le stand du MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et j'ai en face de moi Mathieu, que j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer. Et il va nous expliquer un petit peu les origines du MRAP qui sont assez, je dirais, lointaines dans le temps par rapport à d'autres associations. Je crois que ça remonte à peu près à la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Le MRAP a été créé à la suite de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire plusieurs mouvements issus de la résistance se sont regroupés pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme à l'origine. Par la suite, c'est devenu un mouvement antiraciste assez présent en France et notamment à Rouen. Alors, puisqu'on parle de Rouen, eh bien, je voudrais parler un petit peu des coins qui sont plus ou moins... J'aime pas trop le mot, mais bon, il faut le lâcher quand même, les coins dits à risque. Est-ce que vous intervenez plus souvent dans ces coins-là que dans d'autres coins ? C'est sûr qu'on est appelé à intervenir dans ces coins. Les sapins, par dans exemple. Ces cités, les sapins, ou dans d'autres cités de l'agglomération rouennaise. On intervient quand on s'aperçoit qu'il y a des bavures racistes, notamment avec Ibrahim Sy, bon... Il nous a semblé important d'être présent pour affirmer notre soutien à la famille. On ne pense pas qu'une voiture vaut une vie. Donc c'est pour ça que nous intervenons. Enfin, c'est un exemple. Mais pour vous, le racisme, c'est dans les deux sens. C'est pas comme certaines associations où c'est uniquement une personne dite émigrée, entre guillemets, s'en prenant à un français. C'est aussi valable dans l'autre sens. C'est quand on fait la distinction des couleurs pour vous. On combat les exclusions dans son ensemble. Donc pour nous, ça ne pose pas de problème. Du moment qu'une personne est exclue à cause de sa religion, à cause de sa couleur de peau, ben, nous sommes là pour défendre ces personnes. Et est-ce que vous vous attaquez, je dirais, un petit peu au problème à la base ? Est-ce que vous avez vos entrées dans les écoles, dans les lycées ? Nous travaillons beaucoup avec les écoles, les bibliothèques. Nous avons une exposition qui circule beaucoup actuellement dans la Seine-Maritime, une exposition sur les préjugés et les stéréotypes racistes. Il y a sur le stand d'ailleurs quelques exemplaires de cette expo. C'est une de nos manières d'agir avec les écoles. Au niveau national, le MRAP... travaille beaucoup avec l'éducation nationale, avec le FAS. Sur la région, nous essayons de poursuivre ce travail qui est fait au niveau national. Alors, le MRAP est une association donc d'utilité publique et qui est représentée, je crois. Pouvoir, mais qui... C'est un consultant. C'est un consultant, tout à fait. D'accord. Alors, on va donc quand même rappeler les coordonnées du MRAP sur Rouen, au cas où, on ne sait jamais, des personnes auraient des petits problèmes, justement, à caractère raciste. Qui puisse vous contacter. Tout à fait. Alors, le MRAP à Rouen, c'est boîte postale 103, 76 162, Darnétal, Cedex. Eh bien, Mathieu, merci. Merci.